Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et dans cette vidéo, on va parler de Cli. Lorsqu'on interroge les gens sur le guerrier le plus fort de Mondstadt, trois noms sont les plus susceptibles de ressortir. Le très réputé grand maître par intérim Jin, le capitaine de cavalerie Kaïa et le mystérieux magnat Diluc. Cependant, certains prétendent avoir été témoins, à travers des yeux ivres ou un pâle clair de lune, d'un chevalier rouge nivelant l'ensemble des montagnes du Gué. Si l'on veut trouver ce mystérieux chevalier, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que la cellule d'isolement à l'intérieur du quartier général des chevaliers de Favonius. Si la cellule est trouvée vide, alors quelque chose d'explosiblement malheureux est susceptible de se produire. Cli est bien connue pour le danger qu'elle représente. En tant que membre officiel des chevaliers de Favonius, sa force au combat ne peut être sous-estimée. Mais en tant qu'enfant hyperactif qu'elle est aussi, ses capacités destructrices ne doivent pas non plus être négligées. Alors que d'autres enfants de son âge jouent toujours avec des jouets ordinaires, les jouets préférés de Cli sont des explosifs vivants. Il y a 3 ans, Cli a été confiée aux chevaliers de Favonius par ses parents, de célèbres aventuriers. C'est ainsi que les destins de Cli et de ce garçon en blanc se sont mêlés à leur famille à Mondstadt. Cli est curieuse de tout dans le monde extérieur. Elle a une passion innocente pour les explosifs et est incroyablement enthousiaste dans tout ce qu'elle fait. Sous la protection des chevaliers de Favonius, elle est à l'abri du mal et des personnes mal intentionnées. Cette jeune fille a rapidement forgé un lien indestructible avec tous les membres des chevaliers de Favonius. Être envoyée à l'isolement par Jin, aider Amber à améliorer son baron Lapinou, ainsi qu'à développer de nouvelles bombes. Ces parties de la vie de Cli sont toutes des trésors inestimables pour elle. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Jin soupire en s'asseyant à son bureau, la tête dans les mains, de nouveau face à une pile de rapports de dégâts. Des charrettes irréparables, des cabanes de stockage incendiées, des feux de forêt que les chevaliers ont à peine réussi à contenir. Sans parler du nombre étrangement élevé de décès de causes non naturelles parmi les poissons du lac de Tombe-Étoile. Il n'y a qu'un seul coupable potentiel derrière tout ça. Et il se trouve qu'elle est l'une des leurs. Face au regard sévère de Jean, la Cli à l'air inoffensif rend tous ces explosifs qu'elle a cachés. Elle est ensuite escortée à l'isolement, malgré ses protestations au milieu de flots de larmes. Cela se produit environ une ou deux fois par semaine chez les chevaliers de Favonius. Bien sûr, Cli essaie toujours d'aider à nettoyer les dégâts qu'elle a causés. Cependant, parfois, sa personnalité imprudente aggrave encore les choses. Par exemple, une fois, elle a voulu s'excuser auprès de tout le monde en préparant du poisson barbecue, mais elle a fini par faire exploser la poêle. Puis, il y a eu la fois où elle s'est énervée et a essayé d'éteindre le feu. Cli n'est pas une mauvaise enfant par nature. C'est juste que sa nature curieuse et enjouée l'empêche toujours de réfléchir avant d'agir. Et à chaque fois qu'elle a des ennuis, elle essaye de se rattraper avec culpabilité. Bien qu'une fois que Jin laisse Cli sortir de l'isolement, il ne s'écoule généralement pas plus d'un jour ou deux avant que le bruit des explosions ne revienne à Mondstadt. Le chevalier étincelle parvient toujours à être à la hauteur de son titre de diverses manières inattendues. Bien que Cli finisse toujours par causer des problèmes aux chevaliers de Favonius et de Mondstadt, elle n'est pas seulement une recrue qui entraîne l'équipe vers le bas. Au contraire, ses compétences avec les explosifs peuvent être très utiles si elles sont appliquées correctement. Une fois, Jin a pu vaincre une horde d'envahisseurs Brutocolinus en utilisant seulement les talents spéciaux de Cli. Cependant, Cli a également changé à jamais le visage des montagnes du Gué dans cette même opération en raison du placement imprudent de trop de charges explosives. Inutile de dire que tout le monde était plus qu'un peu choqué, mais au moins, personne des chevaliers de Favonius n'a été blessé. La légende du chevalier rouge des montagnes du Gué a commencé à circuler autour de Mondstadt. La rumeur veut qu'elle soit vêtue de rouge et qu'elle s'accroche au plus grand trésor des chevaliers de Favonius. Cependant, seul Cli sait ce qu'est vraiment ce trésor. Dodoko est le premier ami de Cli, et l'un de ses meilleurs. Il y a très longtemps, sa mère a fabriqué cette poupée pour elle à la main. Alice l'a fixée au trèfle à 4 feuilles de Cli, et l'a accrochée à son grand sac à dos. À partir de ce jour, Cli et Dodoko sont devenus inséparables. Sa mère a dit que cela garantirait que Cli ne serait jamais seule et qu'elle aurait un ami à qui se confier à n'importe quel moment. Il se protégerait également en cas de danger, tout comme Amber et son baron Lapinou. Ceci, cependant, ne causa aucune inquiétude au chevalier. Compte tenu des autres choses qu'Alice et sa fille avaient inventées, même si cela pourrait aussi exploser à tout moment. Dodoko est un nom que Cli a choisi. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait ce nom,
Elle a rougi pendant un bon moment avant de répondre. Cela signifie le meilleur ami de Klee. Demander à Klee comment elle a obtenu son œil divin ne vous mènera probablement nulle part. Elle ne le sait pas non plus. Pyromane de naissance, Klee avait déjà été reconnue par un dieu dès son plus jeune âge. Selon Klee elle-même, elle avait créé une bombe encore plus grosse que super grosse. C'était son tout premier projet solo. Mais les résultats étaient loin d'être attendus. Eh bien, elle a seulement fait exploser son petit atelier laissant une montagne de cendres fumantes. Mais plutôt que d'être déçu, Klee a été agréablement surprise de voir un œil divin enflammé émerger de ses cendres. Comment a-t-elle reçu cette reconnaissance divine? Était-ce son talent et sa passion pour les explosifs, la nature individualiste qu'elle tenait de sa mère ou son innocence éclatante? Quoi qu'il en soit, Klee avait déjà obtenu un artefact aussi convoité à un âge tendre et insouciant. Indépendamment de ce à quoi elle fera face en grandissant, elle n'abandonnera jamais ce cadeau. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que je suis de retour de vacances, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss. Well, can I have some GGs in the chat, please? No.